Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vous emmène en visite dans une boutique que vous n'avez certainement jamais vue et pourtant elle existe depuis une quinzaine d'années. Je suis en Suisse, à côté de Lausanne, à Écublens. Alors, on rentre là chez Maximum Marine. C'est une boutique qui vraiment est surprenante. Je vous explique, c'est que là, moi, au tout départ, je trouve que ça ressemble vraiment à un Apple Store. Voici la boutique au complet. Donc, on a vraiment que le corail, les belles choses. On n'a pas du matériel de partout. On n'a pas des grandes étagères. Partout pour dire on a tout ça. Non, là on se concentre sur le vivant et tout particulièrement sur nos coraux. Alors pour les mettre en valeur, on a ces énormes bacs en chalot avec les éclairages en kessil. Donc on a les kessil, les 700 sur ces bacs là et on a les classiques ici, les 360 W. Donc on a des éclairages de qualité sur ces chalots, on a bien de la place comme vous voyez, un bac pour la roche vivante. Donc là on est sur des branches avec aussi des roches un peu plus classiques et on a, chose un peu particulière ici, on a ce bac là qui sert de dépôt vente. Donc ici, les clients, ils peuvent venir pour déposer des boutures qu'ils font chez eux à la vente. Cette boutique, donc comme je vous le disais, c'est un passionné qu'il a. Il est passionné, il vit de ça depuis une vingtaine d'années. Il est ici depuis une quinzaine d'années. On est sur un service complet. C'est-à-dire qu'on va avoir du conseil, des animaux, des aquariums sur mesure et tout le matériel qui va avec. Bien entendu, quand on parle de conseils, ça va être aussi du matériel qui est connu pour ses performances, pour sa qualité, sa longévité. Puisque dans la philosophie du magasin, on aime les choses durables. C'est-à-dire que on va faire des bacs qui ne sont pas trop chargés pour permettre une stabilité. Et ça, c'est déjà une philosophie qui est très intéressante puisqu'on va chercher avec les conseils à donner au client quelque chose de stable. Ensuite, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de poisson. Pourquoi ? Parce que ça va vous limiter au niveau du choix que vous pouvez avoir avec ce qu'on peut stocker dans une boutique. Et ça, vous le savez très certainement, quand vous allez en boutique, vous avez une limite de ce qui est présenté. Ici, il va y avoir régulièrement de publier des stock lists et les clients vont dire ben, « je voudrais ça » et la boutique s'arrange pour faire venir, acclimater et mettre à disposition les animaux que vous avez commandés. Ça permet d'avoir un choix énorme et d'avoir du sur-mesure. Vraiment quelque chose avec l'animal qui vous plaît, ben il sera disponible à un moment, forcément. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant dans la philosophie de voir les choses. Ensuite, je vais vous montrer donc les bacs. Les bacs à coraux, ils sont très bien remplis. On a des coraux qui sont très beaux. Alors forcément, on va chercher des animaux qui sont facile à tenir pour le client, mais qui apporte cette petite touche qu'on aime dans le récifal, c'est toutes les couleurs.
Et on va souvent faire des mix de mou et coraux durs. Et je trouve ça vraiment, je veux dire, le fait d'avoir les grands bacs de présentation comme il y a là, plus deux petits bacs pour montrer des exemples de ce que ça peut donner à la maison, ça suffit en fait. On est comme, on est dans un endroit vraiment pur. On est au cœur de la passion. On est dans un endroit qui est propre, pur, presque comme un Apple Store où vous venez et il n'y a que ce qu'on va acheter. Il n'y a pas d'accessoires, tout est caché. Tout ce qui est accessoire, en fait, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le produit. Et là, le produit, derrière moi, là, les coraux, ils sont magnifiques. Et on sent que c'est eux qui sont importants dans cette boutique-là. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire ? Ben, que les gens sont sympathiques. Après, je le respecte, ils n'ont pas envie d'être en vidéo. Forcément, moi j'ai l'habitude maintenant, hein, mais je comprends tout à fait que les gens n'aient pas envie d'être en vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette visite avec personne, parce que ben, ça évite d'avoir des gens qui n'ont pas envie d'être en vidéo. Et tant que j'y suis, il y a une chose importante quand même, c'est pour les remercier de m'avoir accueilli. Pensez à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de voir les autres vidéos de la chaîne. Hein, je force un peu là. Il hein, faut bien. Donc, on continue. Toujours dans l'optique de matériel, hein, quand même, il y en a. On va être sur des matériels plutôt haut de gamme. Donc, ici, par exemple, on a du Deltec. Au niveau des écumeurs, au niveau des pompes de remontée, on va avoir du Royal Exclusive, on va avoir donc du Kessil pour l'éclairage. Encore, je veux dire, c'est des éclairages qui sont magnifiques et qui sont ultra performants. On va avoir du Tunes pour tout ce qui est brassage. Donc voilà, on a vraiment une recherche de ce qui est techniquement à la pointe. Alors bien sûr, si vous avez envie d'une automatisation de chez Neptune, hein, c'est pas un souci. Ils savent faire, ils en ont. Depuis maintenant une quinzaine d'années, ça a été les premiers en Suisse à avoir des boutures et des frags. À l'époque où ça commençait en France et en Allemagne aussi, mais en Suisse, donc ça a été les premiers. Pour tout ce qui est coraux aujourd'hui, c'est du corail d'élevage. C'est très important de le préciser puisque on trouve encore du sauvage. Ici, on a que pratiquement de l'élevage. Hein, pratiquement, hein, je veux dire, c'est normal qu'il y ait 2-3 exceptions, mais on a vraiment un focus qui est donné et une envie de l'équipe présente de se concentrer sur le corail d'élevage. Et ils ont raison, hein, c'est magnifique. Donc, on va pas leur donner tort. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais encore rajouter dessus? Si vous êtes en Suisse, c'est vraiment facile à trouver. Je veux dire, j'ai fait 4 km en dehors de l'autoroute. On est le long du lac Léman. Alors dites bien le lac Léman, hein. Ce n'est pas le lac de Genève. C'est un lac Léman. C'est très important. Non, c'est très joli en plus la région. Hein, si vous venez ne serait-ce qu'en voyage, la boutique est ouverte au public le samedi. Le reste de la semaine, ils vont faire des installations, ils vont faire des maintenances chez des clients. Donc, la boutique, elle est ouverte le samedi au public. Ils me font l'honneur et le plaisir d'être ouvert un soir de semaine pour que je puisse venir faire mes clowneries et je les en remercie. Voilà. J'espère que cette vidéo de visite vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous mets tous les liens de la boutique pour leur site web, leur Facebook, tous leurs réseaux sociaux. En dessous dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Si vous êtes suisse et que ça vous intéresse, à les contacter. C'est vraiment très agréable de discuter avec eux et on sent la passion, parce que c'est le maître mot ici, hein, quand on rentre,
On sent la passion pour les coraux et le marin. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, que ça vous a plu, et donc à bientôt pour d'autres épisodes de Récifs Captifs.